Mercredi 14 juin 2017, à Paris, j'ai rencontré Paul Hermongette qui m'a donné son livre Un parcours alicien. J'ai aussi rencontré Anne Savelli qui m'a donné son décor daguerre. Avec Anne, on est allé visiter le parcours alicien de Paul Armand au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et à 15h30, 15h dans l'après-midi, 15h10 exactement, j'ai rencontré Joseph Mordeur. Ouais, voilà. Donc, tu t'as vu que comment Les dernières secondes avant le verdict, 3, 2, 1, il est 20h. Voici le nouveau visage de l'Assemblée nationale à l'issue de ce second tour. Confirmation de la victoire de La République En Marche avec le MoDem qui obtiendrait, vous le voyez, 355 sièges. C'était le coucher de soleil du lundi 19 juin. Dans 2 jours, ce sera le solstice d'été et le soleil se couchera au plus loin de sa course. Visite au platane pour aller chercher quelques blouts. Repéré il y a 3-4 mois. Vais-je les retrouver? De l'autre côté du marais s'illumine de côté. Et bien sûr, rémunérer les écrivains. Oui, c'est cool.
Parce que d'habitude, ne c'est pas libre. Pas les libraires. Tous merci. D'habitude, je vois le résultat, mais là, je te vois. Attends, ouais, prendre... t'as un enfant par les enfants où tout le monde se parle. T'as la femme voilée là. T'as le festival littéraire, ça s'appelle Littoral, géré par Marie-Dominique Petit, et qui a eu 5 ans d'existence, un peu invisible au départ, et puis petit à petit, un truc qui s'est bien installé et qui avait son public. Il y a eu de la part de la mairie des demandes de faire. Pas que c'est parfait, c'est pas... Mais, non, mais ça vaut la peine de voir ce que ça donne, parce que de toute façon, je pense que tout le monde a un peu de toute façon, il fallait que ça change. Voilà.